Yop tout le monde, c'est Galad et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Alundra 2, l'épisode 17. Et on se retrouve ici devant la porte du boss des ruines d'Eden, le deuxième en fait. Et alors, je dis le boss, mais en fait je ne sais pas si c'est vraiment un boss de boss ou alors si c'est la fin du jeu. Ça m'étonnerait que ce soit la fin du jeu, mais voilà. On va quand même sauvegarder parce que j'avais pas pris la peine de sauvegarder, j'avais juste fait une save state. Histoire quand même de sauvegarder en plus des save state. Ok. Alors on va voir un peu ce qui nous attend derrière cette porte. Alors j'ai trouvé ça génial quand même le petit bruit du... On aurait dit un petit bruit de poulet là. Franchement c'était super crédible. Super génial. Mais bon c'est... Ici à mon avis le grand frère qu'on attaque. Pas le grand frère, on sait pas si c'est un grand frère mais en tout cas... Oh la loose! J'ai voulu faire un truc trop stylé en sauter en attaquant et... On va dire que c'est juste... Un peu compliqué. On va juste essayer juste de taper avant de sauter. Ah non, ok, ouais, mais il fait quand même mal à 122 points de dégâts. Donc là, je suppose qu'on affronte Ra. Ok. Je pense pas que j'aurai le temps. Ah si, ok. Voilà, hop, je suppose qu'il faut attaquer au même endroit. Ok, d'accord, la loose. Pas grave, on va recommencer. Si tu veux bien faire apparaître tes piliers de pierre, et voilà, c'est parfait. Celui-là, on est bon. Ok, on saute, boum. Non, c'est pas bon. Je vais me reconvertir dans autre chose, c'est pas possible. Allez, cette fois-ci, on chipote pas. Boum, et voilà. 3 coups. Ok, donc on peut en donner 4 maximum. Ok, normalement ça devrait être bon. Oh non, non, c'est quoi cette hitbox là? Non. J'aurais dû le toucher. Bon, au final, elle a pas l'air très compliquée non plus, ce boss. Hein. Honnêtement. Voilà, pas très compliqué, on recommence, on saute sur le bouton, pilier, ascenseur, on tape, on se laisse tomber, et on continue. J'ai quand même perdu pas mal de vie, l'air de rien.
C'est peut-être facile, mais il fait beaucoup de dégâts. C'est limite ennuyant là. Enfin, je vais me taire parce que je serais capable de mourir par la suite, mais. La deuxième forme. Voilà. Deuxième phase plutôt. Je suppose que c'est. D'accord. Par contre, là, je vais essayer de faire gaffe parce qu'il me reste plus grand chose de vie. Voilà, on va rester comme ça, c'est bien. Oh là, il nous fait quoi là? Ouais, ça a l'air d'être la même chose hein, quand même. Peu de choses près. D'accord. On court, on court. On évite le Kamehameha. Attends, j'ai pas compris là. D'accord, ok. Et c'est parti, on continue. On tape toujours le joyau au niveau du front. Non, non, non. Oh, ça m'ennuie, je vous assure. C'est n'importe quoi. D'autant plus que là, c'est juste horrible avec le bruit du poulet qu'il est en train de faire en permanence. Là, c'est. C'est ridicule. Ah, c'est pas possible. Bon, attendez. On va quand même se mettre bien avec un petit tonique. Ça devrait suffire pour l'achever, normalement. Oula. Ok, donc là, c'est bon. Et voilà, ok. J'ai l'impression que le laps de temps que l'ascenseur reste en place est diminué. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment calculé. Voilà, normalement encore une fois ou deux, ça sera bon. Voilà, ça va tout seul maintenant. C'est plutôt simple. J'ai quand même beaucoup plus galéré beaucoup plus avec d'autres boss jusqu'à présent. Et encore, c'est pas vraiment galéré que je pourrais dire. Je crois que j'ai plus galéré avec les énigmes et les pièges plutôt qu'avec les boss dans le jeu, c'est incroyable. Allez, une dernière fois et ça sera bon. Ah non. Peut-être encore une fois. Oh, ce problème de hitbox, c'est incroyable. Je suis pourtant devant. On peut pas faire une attaque sautée là, ça pourrait être cool. Un peu badass là comme ça. Ah bah voilà. Je viens d'achever le boss des ruines d'Eden, le deuxième. Ra en personne. Dieu soleil. Magnifique mise en scène de la mort du boss. Une pirouette inversée et une explosion digne d'un film de Spielberg. Bon, on avance. Pièces d'or, on va essayer de toutes les récupérer pour se faire un maximum de blé, voilà. Alors, on doit avoir quoi? Une pièce de puzzle? Non. Orbe d'éléments, ça je ne sais plus ce que ça m'augmente, je pense que c'est les PE. Je dis peut-être une bêtise ou les PA. Un des deux. Non, les PA, c'est bien ça. Alors, ici nous avons un cristal d'étoile. Alors, ça, je n'en ai jamais eu. Ça
Ça n'augmente rien du tout, apparemment. Clé triangulaire. À mon avis, ça doit être les deux autres artefacts. Bah, peut-être pas la clé triangulaire, mais... Je pense qu'il y avait... De mémoire... Des artefacts. Il y avait le cristal d'étoile, je pense. Le prisme d'étoile, oui, c'est ça. C'est un autre artefact, en fait. Il nous restera donc un seul artefact. Une des trois reliques. Une des trois reliques, c'est bien ça. Et convient à une serrure triangulaire. Mais... Ouais, oula, un petit bug. Alors, trouvons cette porte. J'imagine qu'il faut retourner. Ah ouais, d'accord, juste le téléporteur qui... qui se met devant nous là comme ça. On va dedans bien sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une porte ici? Petite porte pour nous là, gratuite. Ah, Flint a utilisé la clé triangulaire. C'est parfait. Alors, un petit téléporteur et nous nous retrouvons aux ruines du village Paco. Donc ça doit être la sortie. Ou alors c'est ça la sortie. Bon, on va essayer. Ah non, ben voilà, c'était bien là. Et alors là, ça doit être la troisième relique. Oh, les enfoirés, ils ont déjà pris la relique. Ah non, hein. Moi, je dis non. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour des queues de cerises. Bon, c'est quoi ça? Ça m'ennuie déjà, je peux même plus passer correctement. Bon, bah, je suppose qu'il va falloir que j'utilise ma bague. Ma bague d'eau. Alors, où est-elle? Ici, le bague sirène, je la mets en poche. Alors, voyons voir, est-ce que ça marche? Oui. Je pense pas que ça l'a pris, ici à gauche. Non, ça l'a pas pris. Et voilà. Un deuxième coffre. Lampe de lumière. Qu'est-ce donc que cela? Lampe de lumière. Clé pour ouvrir la tombe scellée. Oftin en dit la tombe scellée, mais c'est où ça? La tombe scellée, ça ne me dit rien du tout. Mais vraiment rien. Ah, voilà notre pote. Nonogi. J'ai un message pour vous de la part du baron. Rendez-vous vite à Puerto Medusa. Les trois pirates vous y attendent avec un bateau. Ils vous mèneront à lui. Ne perdez en aucun cas les trois reliques. Le baron les attend avec grande impatience. Ouais. Les trois reliques, j'aurai les trois reliques ? Si j'ai le marteau, prisme, cristal, la lampe de lumière. Ah, c'est peut-être ça la troisième relique. Dans tous les cas, on nous a demandé d'aller à Puerto Medusa. Donc, nous allons nous y rendre. Alors, peut-être aller voir ce qu'il se cache là derrière. Oh non, c'est pas... Oh, un coffre, une pièce de puzzle, c'est parfait. On va aller voir auprès de notre pote Gian, voir si on ne pourrait pas avoir un coup supplémentaire, ou un combo, ou un...
ou un petit cadeau qu'il pourrait nous faire en échange de pièces de puzzle. Voilà, on va aller vite voir. Donc ici on se retrouve au tout début du jeu, je pense. Avec une sauvegarde. Et alors la tombe de Jian, je ne sais plus où elle se trouve exactement. Oh, un coffre. Bah tiens, je l'avais pas vu ce coffre au début. Ah mince. Je suis vraiment passé à côté quoi. Alors non, il doit être de l'autre côté alors. Oh là là, des petites baisses de framerate. Je m'en excuse. Ah voilà. On va aller voir notre pote. Alors, Jian. Vous avez trouvé des pièces de puzzle? Vous en avez trouvé 6. Formidable. Mais voilà, donne-moi quelque chose. Il me faut encore 12 autres pièces de puzzle pour terminer ce puzzle. Oh mon dieu. 12 pièces de puzzle, mais... C'est trop, ça. Je suis le premier apprenti du Seigneur. Jian, ses attaques combinées sont très efficaces, mais j'ai inventé un mouvement surprenant, je vais l'appeler l'attaque éclair. Regardez plutôt. Oh, sympa. Je peux l'apprendre aussi, s'il te plaît? Comment tu fais? Ah, vous voulez apprendre l'attaque éclair? Sachez que je n'enseigne pas pour rien. Mais je veux bien vous l'enseigner à une condition. Je dois écrire un papier sur les toilettes. Faisons au marché. Vous m'apprenez tout sur les toilettes du monde entier et je vous enseigne l'attaque éclair. Ouais. Parlons des toilettes. Alors, les toilettes de... Comment? Pas possible. Ils utilisent de l'eau bleue dans les avions. Vous êtes sérieux? Toujours pas de toilette à chasse d'eau au village Paco? C'est dégoûtant. Les toilettes de Toroledo ne sont que des trous dans le sol? Vous plaisantez, j'espère. Merci, mes recherches sur les toilettes touchent à leur fin. Ok, je vais vous enseigner l'attaque éclair. Appuyez sur attaquer et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la puissance maximale. Relâchez ensuite le bouton. Facile, non? Flynn reçoit le gantelet. Yeah man! Nous allons pouvoir faire une attaque de la mort qui tue. Une attaque bien badass. Essayons. Wouah! C'est trop de la balle. C'est génial. C'est vraiment... Fatality. Poum! C'est parfait. On peut se barrer. On a récupéré quelque chose. Moi, ça me convient. En attendant de trouver 12 autres pièces de puzzle. Alors, par contre... par où je vais? Je crois que je vais aller par là. Je me demande si... Il n'y a pas moyen d'emprunter le deuxième téléporteur. Est-ce qu'il y en avait deux? Rappelez-vous, je pense que nous on vient de celui-là. Ruines des mouettes. Et les ruines des mouettes, c'est bien Puerto de Medusa. Je pense qu'on y est. Alors, par ici. Ce long chemin terriblement ennuyeux où il n'y a rien à voir à part un mur. Je sais pas pourquoi ils ont fait un chemin si long. Peut-être pour une notion de distance, je sais pas. En tout cas, nous voilà arrivés. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Peut-être aller voir au bar. C'était ici ou là, je sais plus.
Ouais, c'est là. Ah non, c'est le restaurant, ça. Non, y a pas. Trois étudiants sont de retour. Pareil qu'ils se sont fourrés dans un sale pétrin. Rien de tel qu'une boisson fraîche quand il fait chaud. Ok, on s'en fout. Yo, Georges. Comment va Alexia ces temps-ci? Dis-lui de revenir, ok. Ok, on s'en bat les steaks. On monte. Non, rien du tout, aucune information. Là, toujours rien non plus. On va aller dans le deuxième bâtiment alors. Peut-être l'auberge, je sais pas. Ou alors ils sont tout simplement au quai. On va aller voir après sur les quais. Alors, on va aller où? Toi, t'as rien d'intéressant à me dire? Oui, nous sommes ouverts. Ok, on s'en fout. Boutique d'articles. On peut peut-être trouver un truc intéressant. J'ai parlé trop vite. Quelle blague, je n'arrive pas à croire qu'ils essaient de vendre ce truc. Ok, on s'en fout aussi. Cet endroit ne contient que des trucs repeints et il y a un sacré culot d'essayer de revendre ces vieilleries. Ok, on s'en fout. Bonjour, vous voulez que je vous vende quelque chose? Oui. Alors, qu'as-tu de bon à me vendre? Toute ma marchandise de premier choix. On va peut-être racheter. On va peut-être acheter deux toniques. Oui, deux toniques, c'est bien. Et alors, on va peut-être acheter aussi des herbes. Pas prendre un maximum au cas où on en trouve par la suite. Et alors, je n'ai pas assez d'argent. Ok, ça va, je suis pauvre, je me barre. Merci beaucoup, ok, de rien. Alors. Quelque chose d'intéressant ici? Non. Cette pièce est si quelconque, il lui faut une touche féminine. Il lui faut une touche. Ok. Il n'y a rien d'intéressant. Bon, écoutez, je crois que je vais aller directement voir sur le quai. À mon avis, il y a rien de nouveau. Je pensais qu'il y aurait quand même eu des petits événements en plus, mais non, même pas. Va pas plus perdre de temps à parler aux gens. On va voir ici. Ah non, ça c'est le phare. Peut-être plus loin ici à gauche. Non plus. Alors il reste plus que la droite. On s'en fout, on passe. C'est pas ici, c'est un peu plus loin. Voilà. Voyons voir si ils nous attendent. Rien du tout. Bon, ça commence à me saouler. Peut-être ici? Ah, il y a d'autres. Ah non, là où il y a la flèche, je pense. Port, c'est parfait, c'est par là. Laisse-moi passer. Merci. Port de Puerto Misa, nous voilà. Ah, voilà mon pote. Hey, salut frère, comment tu vas? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Bien, ici sont les voiles. Mais si nous partons, nous ne revenons pas. Tu es sûr de vouloir partir? Oh que oui! J'en ai marre de rester ici. Bien, c'est parti, monte à bord. Alors, il nous reste quand même encore pas mal de choses à explorer ici. On en avait encore un peu dans le sud, là. On peut voir encore deux points rouges qui n'ont pas été explorés. Une petite île et sûrement un village dans le sud. Ou une grotte, je ne sais pas. Cinématique. Rien d'inhabituel, Albert? Non,
Rien à signaler. Flint, jette un œil derrière nous. Ok, déjeuner. Yeah. Du poisson? J'en peux plus du poisson. Et moi, j'en peux plus de tes caprices. Bon, qui a éteint la lumière? Ah! Je n'ai touché à rien. Oh, où sommes-nous? À l'intérieur de la baleine, je pense. Tu veux dire? La baleine nous a avalés! Ah! Juste à l'heure du déjeuner! J'en voulais pas de ton poisson! Bien, parfois on attrape le poisson. Et parfois, le poisson t'attrape. Baleine démon. Eh bien, nous voilà dans la Demonic Whale Event. C'est-à-dire quoi ça? Un événement? Enfin, dans tous les cas, nous sommes dans le prochain donjon, quelque part. Nous sommes dans la baleine mécanique. On va essayer d'aller récupérer nos potes. Alors, et si je vois quand même une sauvegarde avec une zone de recovery, on va sauvegarder. Parce qu'on n'est pas des fous. Alors, 13 minutes, ça me donnera un peu un aperçu dans... Non, ça me donne aucun aperçu en fait, je pensais, mais... Pour savoir à quel niveau je suis au niveau de la vidéo, parce que malheureusement, j'ai oublié de mettre le chronomètre. Je l'avais préparé, mais pas activé. Bon, on va poursuivre et j'arrêterai à la prochaine sauvegarde alors. Hein. Tube d'air. Ok. C'est quand même spécial comme niveau. Hein. Y'a rien d'intéressant là, je suppose. Non, rien du tout. Je sais pas pourquoi ils ont fait cet endroit là. Ils voulaient qu'on se fasse chier à aller visiter, à mon avis. Ah oui, un petit serpent. Je sais pas pourquoi je m'embête à le tuer. S'en fout alors.
On avance. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, par contre, j'ai l'impression que ça va être un vrai labyrinthe. Je ne sais déjà plus par où je suis venu. Bien entendu, il n'y a rien. Ça aurait été trop cool quand même de trouver une pièce de puzzle là-bas, mais bon. Alors là-bas. Oh là là, c'est un vrai labyrinthe. On va quand même aller voir. Tout va bien. Un une espèce de boule serpent là, je sais pas ce que c'est un peu bizarre. Un coffre. Un élixir, c'est parfait. On utilisera tout ça pour le boss final. Un interrupteur, ah ça, ça va nous servir à quelque chose, mais à quoi? Oh là là là, attendez, parce que je pense que c'est l'endroit où j'ai été juste avant de venir ici, normalement. Est-ce qu'il faut aller par là? Il y a quelque chose. Porte verrouillée, non, c'est pas pour le moment. On va retourner là où on avait été juste avant, alors. Activer l'interrupteur. Qui vient de... Oh, c'est une blague ou quoi? Il y a un timer. Mon dieu. Bon. On va essayer de se dépêcher. Hein. Hop. On recommence. À mon avis, on devrait avoir un truc genre 20 secondes. Il n'y a même pas moyen de sauter au-dessus de ces boules à pic là. Donc faut vraiment esquiver sur le côté. Ok, ça doit être bon. Bon, on y va, YOLO. Et normalement on est bon. Bon, en prenant en compte qu'il y a aussi un timer pour celui-là, on va essayer de se dépêcher. C'est parti. Pas le temps d'attendre. Pas le temps d'attendre. Par ici ou par là? Je ne sais plus, par là. Non! C'est pas possible. Tout ça parce que j'ai pris trop de fumée d'un coup. Commande de la poche sera plus simple. Ok. Alors là, 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 ne me dis pas que je dois retourner au premier. Ah, ça va, j'ai eu peur. Ok. Je situe. Mais c'est pas possible ce jeu là là, oh là. Allez, hop. On y va, laisse-moi passer. Ah, c'est juste pas possible les mecs. Je m'y prends très mal à mon avis. Hein. Regardez ici, il faut vraiment frôler le mur en fait. Je commence à regretter les ruines d'Eden, franchement. Bon, on va attendre. Voilà. Comme ça, on va gagner quelques secondes. Pour le mur de métal, déjà. Normalement. Ok. Hop. On attend. On passe. On se colle au mur, normalement. On passe en dessous. On esquive la boule, on saute. Yeah. On est bon. Un coffre avec une clé qui va nous ouvrir la porte qu'on a vue tout à l'heure, je pense. Ça doit pas être si polichon que ça. Attendez, je suis perdu. Non, c'était bien par là. Oui. Hop, on esquive le
le serpent. On va chercher le coffre. Et voilà à quoi nous servait ce lieu. Récupérer un coffre. Avec une clé dedans qui nous permet d'ouvrir la porte. On avance, on traîne pas. Hop. Et encore une fois, on se fait toucher, mais on s'en fout. Alors, la porte, la clé, et on avance pour la suite. Bouche, ah, on est dans la bouche. Oh, génial avec la langue. Oh, hé, Flint! Tu as fini par te montrer, hein? Il était temps. Tu y crois, toi? Avalé par une baleine. Mais qu'est-ce que c'est que cette baleine? Plutôt étrange. Flint, les trois reliques sont en sécurité. Elles sont dans ma poche. Oh, ne me dis pas que tu les as perdues, sérieux? Oh là là, c'est pas possible. Tu as perdu les trois reliques? Flint, espèce de crétin! On ne peut pas retourner au palais sans elles. Retrouvons-les et fichons le camp d'ici. Ah, tu parles d'un plan. Ok, commençons par ici. Flint, tu pars de l'autre côté. On se retrouvera plus tard. Ciao! Bonne chance, Flint. Super. Non seulement on se fait bouffer par une baleine, mais en plus de ça, il perd les reliques dans la baleine. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Vous, je vous connais, vous êtes... Flint, c'est ça? C'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? Non, t'es qui? Vous ne vous souvenez pas de moi? On s'est rencontrés dans une grotte sous l'eau. Ah oui, si, le type qui était au bord de l'eau, dans la grotte. Ouais, je m'en suis sorti. Mais tout ce que je sais, c'est que je me suis fait avaler par cette baleine. Bon, j'ai toujours ma marchandise et j'adore le poisson. Vous voulez acheter quelque chose? Oh oui. C'est sûrement des choses très intéressantes, mais bon, j'ai plus trop beaucoup d'argent, mais... J'ai du premier choix. Vous voulez y jeter un coup d'œil? Deuxième fois, oui. Oh non! Oh non! Ah ça, c'est pas cool, ça. 2000 et 3000, il m'en faudrait 5. Mais jamais de la vie, j'aurais ça. 2, 250, 100. Faudrait que je vende les 4. Et encore, j'aurais jamais assez. Oh! Ah, oh, c'est juste ignoble de faire ça. Bon, bah écoutez, je reviendrai plus tard. Ok, je ne suis pas prêt de partir, revenez quand vous voulez. C'est parfait. Un téléporteur, à mon avis, pour la suite qui nous ramènera ici. Et un deuxième pour la deuxième suite. Ok, donc à mon avis, ça doit être un peu le camp. Dommage qu'il n'y ait pas une zone de recovery. Un peu trop loin maintenant, l'autre. La porte ne bougera pas. Ok. Bon, problème numéro 1, où je vais? Prendre l'escalier ici, à mon avis. Zone du cerveau. Donc, on retient la bouche, c'est le camp. On va aller voir le cerveau. Intrusion, 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 etc., etc. Alors, intrus dans la zone du cerveau, sortie de secours verrouillée. Arrêtez l'intrusion. Oh, génial, les forces de défense là. Ok, des petits animaux. Ah voilà, parfait. Un bon moyen de péter les mobs sans se faire chier. Désormais, c'est quelque chose par contre.
Ah ouais, non, il faut un petit temps de préparation qui prend trop de temps. Dans quel cas je pourrais l'utiliser alors? Peut-être ici. Ah non, même pas, il faut attendre vraiment. On va juste prendre une herbe là. C'est paré. Ah, une pièce de puzzle. Ou la première relique qu'on a perdue. Si c'est la première relique. Mon dieu. C'est quand même chelou hein, de dire que tu vas retrouver ta relique dans un coffre. Donc tu perds ta relique, mais elle se retrouve dans un coffre dans le cerveau de la baleine. Tout va bien. Bon, on peut s'imaginer que la baleine ait avalé les trois reliques en même temps. Mais même pas, étant donné qu'elles étaient sur Flint. Je comprends plus rien. Enfin bref, on va pas se prendre la tête pour ça, à mon avis. C'est un peu comme le jeu, c'est un peu what the fuck. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. On a récupéré la première relique. Bouche. Toujours pas d'autre escalier. Ah, la porte ici s'est ouverte. Ouais, on va aller où? Dans l'estomac. Zone du tube d'alimentation, ouais, l'œsophage. Ouais, par ici. Non. Il y a un petit problème, je ne sais pas par où aller. Toi, viens un peu ici, toi. Tu vas peut-être me débloquer quelque chose. Je commence un peu à perdre trop de vie là. On va la mettre. Non, on va pas le mettre dans la poche. Sinon, on va avoir tendance à vouloir trop vite l'utiliser. Oh, cette caméra, je vous assure, c'est horrible. Allez, vas-y, viens ici. Saleté. Et on peut même pas le comboter, celui-là, c'est juste horrible. Ah, voilà. On va peut-être attendre qu'il redescende au sol. Voilà. Et on peut le... Il faut être rapide pour le comboter, en fait. Voilà. On débloque quelque chose? Non, rien du tout. Ok, donc on s'est fait niquer royalement. J'avais vu qu'il y avait un totem, mais je ne savais pas que... Mais comment je fais? Je peux même pas monter. C'est quoi cette blague? Ça commence à m'ennuyer. Sérieux. Peut-être prendre plus d'élan. Ouais, vas-y, t'as raison. Prends plus d'élan. Non, on recommence. Voilà, tout simplement. On esquive. Hop. 1, 2. Ça commence à piquer sévère là. On va recommencer. On va quand même mettre dans la poche. Hein. Utiliser. Ok, on va recommencer. C'est vraiment précis en fait comme truc. Il faut vraiment se lancer au dernier poil pour pouvoir passer sur l'autre plateforme. C'est juste horrible, d'autant plus qu'il y a un mob qui nous prend la tête là. Il y a des boules à pic et une méga boule ensuite. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ce jeu? Bon, toi tu vas décéder incessamment sous peu. Ouais, allez, vas-y. Je vais te couper les ailes, moi, tu vas voir. Viens ici. Viens ici. Je vais te maquer, viens. Vas-y, reste en haut, t'as raison. Fais ta fiotte. Viens ici, je t'ai dit. Concentration ultime pour péter une chauve-souris. Eh, mais c'est quoi cette vita qu'il a là? On va y arriver, il y a plus de 100 PV en fait ce truc, c'est pas possible.
il reste bien loin et loin, t'as raison. Il est vraiment venu pour une... Voilà, putain. On va être tranquille maintenant. On va pouvoir s'adonner à la torture du saut de plateforme d'Alundra 2. Alors, on prend notre élan. Bien entendu, il fallait une boule à pic pour nous faire d'autant plus chier. Alors, elle est où cette boule à pic? Donc là, ça devrait être bon. Ok. On prend bien notre élan. Ok, et c'est quoi ça? On doit taper dedans. Ah, j'ai envie de faire un truc. Oh non. Ça a cassé tout mon plaisir, ça. Ok, suivant. Non, saute dedans. Ok, alors on est... Ok, on glisse. Boule à pic, je t'ai vu. Des mobs. Des mobs pour pas changer. La technique du lâche, et c'est parti. Comme ça on évite de perdre trop de vie. Alors là j'ai pas compris c'est quoi ce délire là. Je me suis fait toucher. Viens ici toi. Petit mob. Ça bouge tellement vite, en plus on a même pas le temps de réagir. Ok. Je vais pas pouvoir récupérer ma pièce, il m'en faut encore 5000 alors s'il te plaît. C'est quoi ça? Oh, il y a un boulet qui me poursuit en plus. Ok, boule à pic. Oh là 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 là. Faire attention. Des pics. Des boulets. On va attendre un petit peu. Continue. Allez s'il te plaît, mais j'ai sauté. Oh là là. J'ai sauté, je perds de la vie. J'ai plus que 4 choses là. Tonique. Caméra de mes deux en plus. Je le répète tout le temps, je sais, mais ça me gonfle. Ici. Ou là. Non, là, à mon avis. Wow. Je peux pas sauter. Pourquoi? Voilà. Oula, putain, j'ai failli me faire choper, là. On se calme, on se calme. Calme-toi, calme-toi. Le premier interrupteur qui va faire monter la plateforme et faire bouger le boulet au bon endroit. Oh non, la blague, il faut rester dessus, vous êtes sérieux là? Mon dieu, bon, on recommence. D'accord, en fait, il faut l'actionner au bon moment. Ok, nickel. Ok, 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 on analyse. Timer encore, je parie. Toi, tu vas vite dégager. On s'en fout. On a besoin de la plateforme. Ok, vas-y, viens. Je vais sauter par-dessus. Non. J'étais déjà encore trop loin. On passe au milieu. Deuxième. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? C'est pas celui-là qu'il faut faire. Paris. Allez, viens.
Laisse-moi passer. Je suis pressé. Non! Bon. On va recommencer depuis le début. Alors, premier. On va attendre le boulet. La boule à pique, ok. On repart, on fonce. On peut repartir directement. Hop, on repasse au milieu. Là, ça devrait le faire, là. C'est parfait. C'est quand même con parce que je perds quand même de la... Bah voilà, justement, je perds un peu de la vie inutilement en vouloir aller trop vite. Et là, il y a quelque chose, non, il n'y a rien du tout. Là, il y a des pics. Comment je fais pour passer sans perdre trop de vie? Comme ça, à mon avis. Hop. Bien sûr. Ok, on est passé. Alléluia. Deuxième relique pour nous. Zone de l'estomac. Ah bah voilà, la zone de l'estomac. Oh, il y a encore plein de bestioles. Je déteste ça. On va pas chipoter, hein. Hop. Allez. On est par ici. Voilà. On va pas chipoter. Une petite invocation pour nous alléger un peu le truc. Nickel. Alors, il saute. Ok. C'est une blague. Et voilà, invocation en sautant, la grande classe. Et boum, des bois dans ta tronche. Boum. Cette blague, ça ne sert à rien du tout. Pensez qu'il faut que je saute depuis le lieu où j'étais. On va essayer ça. Ok, on va essayer. Peut-être le temps de passer. Oh non, allez, non, c'est déconné ça, s'il te plaît. Non. Et en plus de ça, il faut que je pète encore tout le monde. Ah non, mais moi, je commence pas à chipoter, surtout qu'il y a des saletés de chauves-souris qui me prennent la tête, là. Hop. Ok. Faudrait que la chose verte là, elle puisse se décaler un petit peu. Elle se décalera pas. On va essayer alors. Yeah! On avance. Oh, une zone de recovery, c'est parfait. Plateforme ou escalier? Ouais, c'est la plateforme. J'aime pas trop les escaliers. Ouais. Jusque là, tout va bien. Ok. Forme revient.
On retourne dessus et on avance. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, de toute façon, je n'avais pas encore visité cet endroit-là. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ouais, voilà, de toute façon, on avait des coffres à prendre, 200 pièces d'argent. Ah ouais, mais non, moi je m'attarde plus avec toi. Tu m'as trop cassé la tête tout à l'heure, là. Du suc, à mon avis. Un téléporteur qui ne marche pas. Ne me dis pas que je dois péter tous les mobs pour l'activer, parce que ça, je ne le ferai pas. Quoique, elle nous mène quand même au... Ouais, encore... On peut même pas escalader ces choses-là, c'est... 500 pièces d'or, ok. Ok. Un vrai labyrinthe, ce truc, on sait même pas pourquoi on est venu. Donc ça, j'ai déjà fait par là. Pour bien faire, il faudrait retrouver l'échelle. Alors, par là, il y a un coffre. Un tonique. Excellent. Encore un coffre par là. Alors, on suit. Téléporteur toujours fermé. C'est quoi ça? Un coffre? Je peux pas y accéder. Ça, je suis sûr que je vais me faire niquer si je vais par là. Ah, je peux même pas y aller. Simple. Ok. Bon, bah, on avance. Bon, on peut pas accéder à ces plateformes là. Trop haut. Non. Hop. Je ne vais pas me faire toucher. Ok. Là, il n'y a rien. Et ici, nous avons un coffre. 5 fléchettes. Ok, cool. Pourquoi pas. Bon, je pense qu'on devrait avoir récupéré la totalité des coffres. Je crois qu'on refait le tour inverse, là. Ouais, on retourne au début. Bah écoutez, on va repartir vers là où on était. C'est pas par là. Faut vraiment avoir un grand sens de l'orientation dans ce genre de choses. Ah voilà, je me souviens. Ici le sucre gastrique, on a... Non, pas par là. Ah, on a couleur bleue là. On tourne. Ah ouais, les plateformes que là où je pouvais pas accéder tout à l'heure. Faudrait quand même aller chercher les coffres là de l'autre côté. Et après ça sera bon. On fera quand même un petit coup de la vocation au cas où il faudrait tuer tous les mobs pour avoir accès au téléporteur. Alors voici le dernier coffre, une panacée. Alors on va essayer. Faire quelque chose parce qu'on a toujours pas trouvé l'échelle non plus. Parce que j'ai vu qu'il y avait une échelle. Écoutez, on va le faire ici. Quand il faudrait tuer tous les mobs. Rien du tout. De trouver une putain d'échelle. Ah, là voilà.
Excellent. Et on est reparti. Bon, je ne sais pas si je vais devoir réactiver l'interrupteur. Ah, on voit quelque chose là au coin. Là, on arrive ici. Interrupteur. Qui est activé ou pas? Il n'est pas activé, donc on va... On l'active et puis on monte dessus. Attendez, je sais un truc. Ça devrait faire des dégâts quand même. Si je tombe, je pleure. Je pleure. Ah là 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 là. Bon, maintenant, la plus grosse blague, c'est de retrouver les escaliers dans ce labyrinthe. D'accord, et en plus les boules à pic là, elles sont téléguidées. Magnifique, je crois qu'elles étaient par ici tout près. Je crois qu'elles doivent pas être loin. Elles doivent pas être loin à l'échelle. Ce téléporteur. Et où elle est? Où elle est? Faut vraiment que je mémorise où elle est, histoire de pas galérer pour les prochaines fois. Elle doit pas être loin quand même. Je sais bien que c'était sur un espèce de pilier qui... Mais où? Peut-être ici? Oui? Non. Ah, là voilà, je l'ai trouvé. Bon, en fait, j'aurais pu le faire le tour dans l'autre sens, j'aurais été beaucoup plus vite. À côté d'un coffre. Ok. Mais attendez, en fait... Il y a un problème. Parce que si la vie, l'espèce de chose gluante, là, revient à chaque fois à son max, mais qu'il n'arrive pas à la péter... Ça va être un peu compliqué. D'autant plus que je peux pas la viser d'ici. Ah si. Ok, c'est parfait, voilà. Simplement. On se prend pas la tête comme ça. Enfin. Une chose qui est bien, c'est qu'on a récupéré tous les coffres du milieu inférieur. Du niveau inférieur, pardon. Encore 500 pièces d'or, c'est parfait, on va pouvoir se rapprocher tout doucement de l'achat de notre épée. Il y a une deuxième échelle? Ah non, j'ai eu peur. Alors, deuxième plateforme, on avance. On va éviter. Ah ici. Deux coups, ça suffit. C'est bon. Ok, plateforme suivante. Ah, ici les boules à pic je déteste. Oh. J'ai loupé mon coup là. Bien joué avec la caméra. On va déjà aller là-dessus. Ah, la frame d'invincibilité. C'est toujours cool. Toi, tu dégages. Rester dessus. J'aimerais bien une plateforme par contre, histoire de pas pourrir ici toute ma vie. S'il vous plaît. Merci. Et maintenant, on va pouvoir accéder
à la suite du niveau. Il suffit juste d'attendre que cette voiture arrive. Allez, plus vite que ça. On a le temps de faire de... Non, on revient par ici. Oui. Ah, non, non, ça va, j'ai rien dit. On va passer par là, on va passer par là. Non, le fail. Non, 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 non. Oh, c'est pas possible. Bon, 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 à côté d'un coffre, c'était, à mon avis, c'était trop beau. Donc, je pense que c'est par là. Ça doit pas être loin. Espèce de tuyau rouge. Et un coffre pas loin. Ah, tuyau rouge est là. Et le coffre est là, donc ça doit être ici. C'est parfait. Alors, bon, le tout c'est de savoir. J'espère qu'on va devoir pas tout recommencer. Parce que sinon, je vais me faire un café et j'arrive. Hein. Ou alors je ferai peut-être une ellipse pour aller plus vite. Ou pas. Je sais pas, on va voir. On va voir le temps que ça me prend. On a plus l'air d'être là. C'est parfait, on va pouvoir avancer. Alors, à mon avis, la deuxième grosse boule ne doit plus être là non plus. A priori. Par contre, je sais pas où j'en suis au niveau du timer de la vidéo. À mon avis, je dois bien être à bientôt 50 minutes, si pas plus. Donc, prochaine sauvegarde, à mon avis, j'arrêterai. Oh là, oh là, non, 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 oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et en plus, je suis retombé à un endroit où je ne sais pas où je suis. On a vu que j'étais au début, donc il suffirait juste que je fasse 10 tours à l'envers. Pour récupérer l'échelle. Un peu de vie et c'est reparti. Faire vraiment attention aux boules à pique. Ok, premier interrupteur. Encore une fois. Oh, j'étais trop lent. On va faire une petite bouclette en plus. Bon. Je bois un petit coup en attendant. Bon. Allez, deuxième plateforme. Andale. Voilà, encore une plateforme. Alors attention à la boule à pique. Non, 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 non. Ok, on a géré, c'est bien. Là, ça devrait être bon. Il suffirait juste. On va se mettre à l'extrémité. Ok, donc là, ça va être bon. On saute dessus, pas tranquille. Pour éviter de refaire la même erreur que tout à l'heure et retomber dans le vide et alors tout recommencer. Ce serait vraiment pénible. On y arrive. Allez, la deuxième relique en plus, hein, s'il vous plaît, pour me récompenser de ma patience ici, là.
belle petite relique. Et on arrive alors où? Où arrive-t-on? À d'autres plateformes, c'est magnifique. Et si je retombe, je retombe encore en bas. Donc j'ai vraiment pas intérêt à me louper. Ah bah ok, ça... y a pas encore autre chose là. Non? J'ai peur de sauter, si je saute, je vais me viander, j'ai l'impression que c'est le début. Je saute ou pas? Ça a l'air d'être à la même hauteur, hein. On va essayer. Ça a l'air d'être aussi à la même hauteur. On essaye, allez, on est des fous. Ah bah en fait c'est par là qu'il faut aller. Ok. Donc en fait je parie qu'on va devoir récupérer une clé ici en dessous. Et puis alors venir ouvrir la porte par la suite. Ah bah voilà. C'est parfait, une sauvegarde, une zone de recovery. La petite musique de Zeppo. Le thème de Zeppo, enfin le thème de la famille de Zeppo, on dirait. On va se laisser ici. L'épisode 17 se termine très bien au niveau de l'estomac de la baleine mécanique, ou la baleine démon, comme ils le disent ici dans l'histoire. Et alors, on se retrouve... Je vais quand même sauvegarder. Petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Alors oui, je souhaite écraser. Petite baisse de framerate encore. Donner enregistré. Et voilà. Nous sommes finalement récompensés de notre patience. À mon avis, il va y avoir une petite cinématique ou quelque chose de ce genre. Mais ça, on le saura dans l'épisode 18. Alors moi, je vous laisse ici et on se dit à la prochaine. Ciao !